Salut à tous, c'est Noxuran, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spyro, Year of the Dragon. La dernière fois, on a fait un génocide de dinosaures dans un western un peu bizarre. Et on a commencé à faire le circuit du port, ou en tout cas la plupart des choses du circuit du port. Aujourd'hui, on va le terminer en faisant la course contre les nigauds aux pieds bleus. Je crois, oui, ce sont des mouettes, donc ça devrait aller. Ça va être la course la plus compliquée du jeu, j'imagine. Donc on va essayer de se concentrer là-dessus. Mais juste après, normalement, tout devrait être prêt pour s'occuper de la sorcière. On ira la voir dans son repère et on s'occupera une bonne fois pour toutes d'elle. Afin de sauver les dragons. Oh, j'ai dû passer un accélérateur sans faire exprès. Donc ouais, ce niveau risque d'être le plus compliqué, j'ai l'impression. Il y a quelques accélérations qui traînent un peu partout. Hop, je devrais pouvoir prendre ça. Une accélération en bas. Ah, évidemment, ça a raté. Saleté le mur. Pourquoi il y a un mur ici? J'ai raté l'accélération. Oh, oh. Je suis cinquième. J'arrive déjà au début. Déjà le deuxième tour. Ça s'annonce mal. Je peux pas dire, mais... Le début s'annonce un petit peu mal. Là. Je vais essayer d'accélérer un peu tout ça. Peut-être qu'il y a un accélérateur que j'oublie. Ah, oh, je déteste ces... trucs. Il y en a deux, c'est vrai. Oh, j'ai raté le deuxième. Il y en a trois. Ok. Ok, c'est ça que je rate. Oh, j'arrête pas de rater les accélérations, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais. Je sens que j'ai déjà raté ma première place. Vas-y, tire-lui dessus maintenant. Ah, calme-toi, l'oiseau. Mouette là. Ça me excite. Ils sont tellement loin. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de les rattraper. Non, vous savez quoi? On va abandonner, on va recommencer. Parce que là, c'était raté, je serais arrivé à la fin. J'aurais été pas loin d'être premier, mais je l'aurais pas été. Là au moins, je sais qu'il y a trois accélérateurs l'un après l'autre derrière la petite île. Là. Ça va déjà me donner un sacré boost dans le circuit. Et aussi, je peux m'occuper de tirer sur ces satanées mouettes immédiatement. M'arrêter. Voilà, rien que ça me donne un sacré boost. C'est une bonne chose de fait. Le missile, pas vraiment besoin. Ça me fait faire un trop gros détour. Si, ah, je peux le prendre par contre. Ok. Ça se passe beaucoup mieux. Je suis déjà quatrième. Et on est encore au premier tour. Ça se passe bien. Ok, deuxième tour, j'arrive déjà pas loin du troisième. Reviens ici. Je t'aurai. What? Le missile ne l'a même pas suivi. Je vais te cracher du feu dessus. Ah. Non, 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 tu te calmes. J'ai raté les deux boosts à cause de toi. Tu m'as perturbé. Mais bon, au moins je suis troisième. Ça qui importe. Comment je vais l'atteindre le deuxième? Oh là là. Les contrôles sont pas forcément évidents. Hein. Je vais pas te lancer de missile tout de suite parce que je sens que je vais me prendre. Ça va te prendre un bâtiment pas loin. Là, par contre, je peux te tirer dessus. Voilà. Ça va bien te calmer ça. Deuxième. On est arrivé au dernier tour. Il ne reste plus qu'une place à récupérer. On peut le faire. Oh, l'autre est le troisième. Il est juste derrière moi, je crois. Il a pris le même boost que moi. Comment je vais l'atteindre? Ok. Le plus important, c'est les trois boosts d'affilée. C'est ça qui va vraiment m'aider. Ok. Oh, il y a la ligne d'arrivée là-bas. Il
pas du tout si j'ai pu l'avoir. Je crois même que j'ai tiré sur la mauvaise mouette. Où est-ce qu'il est? Je vois pas. C'est là. Hop là. C'était pas toi. J'ai encore loupé la mouette. What? Comment j'étais censé le rattraper? C'était quoi ce bazar? T'es sérieux là? À aucun moment j'étais près de lui. What? Comment je suis censé? Je comprends pas. Il y a un boost que j'ai raté ou je sais pas. Je suis perturbé maintenant. Regardez-le, il est là-bas. Il est déjà arrivé, le mec. Il est déjà arrivé. Je fais comment pour le suivre, lui? Je dois rater quelque chose. Il y a un truc que je rate, quelque part. J'ai fait exactement le même temps que tout à l'heure, donc j'ai pas vraiment amélioré. Qu'est-ce que je rate? Ok, il faut que j'explore un peu. Qu'est-ce que j'ai fait de différent pour être déjà 12e? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Le seul truc de différent que j'ai l'impression que j'ai fait, c'est le premier missile que j'utilise. Bah, je l'ai utilisé sur la personne d'après. Je sais pas, je suis déjà premier et on est qu'au deuxième tour. Je comprends pas ce que j'ai fait de différent. Si ça a vraiment tout changé, alors je ne vois pas du tout, je comprends pas. Enfin, voilà. Apparemment, ça marche très bien. Peut-être que j'ai une meilleure connaissance du circuit et que du coup je prends les raccourcis, etc. de manière plus naturelle et plus directe. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire ce que j'ai fait de différent à part le coup du missile un peu délai. Un peu décalé. Hop là, non, non, non. Calme-toi, Spyro. C'est pas le moment de faire des erreurs. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec ça, je vais me retrouver avec le même temps de fin. Alors que je suis premier, mais depuis bien plus longtemps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On verra ça à la fin du circuit de toute manière, mais... Hop là, oh, tu te calmes toi. Je t'ai vu essayer de me redoubler là. J'ai un missile pour toi avec ton nom dessus si besoin. Hein. N'essaie pas de me gruger. Ah ouais, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 secondes de différence. Ce qui n'aurait pas fait de différence les deux dernières fois. Waouh, c'est dingue. Ah bon? Je ne vois pas ce que ça a à voir avec tout ça. Jesse, bienvenue. Je me casse de ce circuit. J'en ai fini avec le circuit du port et tous les circuits du monde. Je veux juste rentrer à la maison, retirer une sorcière et puis retourner en vacances. Un peu de vacances, ça pourrait pas faire de mal après cette grosse aventure. On a donc 6800 joyaux, 146 œufs. Si on regarde l'atlas, il ne reste plus que le repère de la sorcière à faire. Et le monde de Sparks qui ne sera disponible qu'après, malheureusement. Donc voilà, il nous reste plus qu'une chose à faire, mis à part le combat de boxe avec la Yeti, c'est d'aller combattre la sorcière. Son repère est juste là, il s'est ouvert, il y a 46 œufs de cela. Alors c'est parti, allons-y. C'est le moment de régler son compte à la sorcière!
Oui, agent 9, j'aurais pas dit ça mieux. Alors bon, c'est parti, le combat contre la sorcière. Évidemment, elle va s'amuser à utiliser ses attaques magiques et à nous courir après, apparemment. Bon, l'agent 9 devrait nous aider à faire tomber des objets, j'imagine. Oui, parce que j'arriverai pas à te tirer dessus. Hein. Agent 9, tu veux bien m'aider? Ok. Oh là, faudrait peut-être pas que je tire autant de... Voilà, ça s'est fait. En deux coups, hein, pas mal. Ah ok, elle tire des boules de feu. Elle tire de la supernova. Ouch. Ok, ça je préfère à mon avis. Tu veux bien arrêter d'avancer? Voilà. Non, 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 ne me cours pas après, je n'ai rien fait. Bon, je préfère clairement les... C'était pas moins moyen ça. Je préfère clairement les tanks qui tournent. What? Alors j'ai pu te tirer dessus qu'une seule fois. Je trouve ça dommage. Chère sorcière. Wow. Ok, tu te calmes avec ton bâton magique là. C'est un bordel que tu nous fais. Ouh, une soucoupe volante. Allez, ça tu vas pas aimer du tout hein. Viens par là. T'es tellement en train de te faire massacrer, sorcière. Tu croyais quoi? Que j'avais pas d'amis? Que t'allais pouvoir me tuer tout seul? Boum. Et avec ça, son bâton s'est détruit et on récupère le dernier œuf. Georges, tu es libre. Tu n'es plus un bâton magique maintenant. Ouh, et tu sais voler et faire des pirouettes. T'es déjà talentueux, mon vieux. Bravo. Et avec ça, on s'en va. Mais... Déjà vu ? Spiro, tu es venu à bout de la sorcière, à sauver les œufs de dragon et rétabli la paix dans le monde perdu des dragons. Quels sont tes projets maintenant ? Passer des vacances sur les rivages du dragon, peut-être. Quel comédien tu fais parfois, Bentley. Tu sais, je dois trouver le reste des œufs. De plus, chasseur a encore disparu. Donc je dois m'assurer qu'il n'est pas en danger. Tu ne l'aurais pas vu? Moi? Non. Non. Mais ne t'inquiète surtout pas. Si je le rencontre, je ne manquerai pas de te le faire savoir immédiatement. Un visage familier. Eh oui. C'est drôle, Spiro. J'ai réglé les portails d'Avalar pour arriver au monde du dragon, mais bizarrement, j'ai atterri ici. Peut-être que mes tables de coordination sont trop vieilles. Quoi, 2000 ans? C'est pour ça que le livre a été donné. Alors, maintenant que tu as fini de sauver ce monde à nouveau, est-ce que tu viendras me voir à Valar? Bien sûr, Elora. Mais je dois encore trouver le reste des œufs. Et Chasseur a encore disparu. Tu as bien dit Chasseur? Eh, mais je peux t'aider. Je viens juste de le voir s'éclipser avec... agent 9, n'est-ce pas un rhino que je vois là-bas dans ces buissons? Un rhino? Ouh, il est à moi! Tu viens te battre, rhino de pacotille? Viens goûter de mon laser! Allons, sors de ton trou! Je suis sûr que Chasseur est en de bonnes mains. Je veux dire, je suis sûr qu'il reviendra bientôt. Promets-moi de venir bientôt à Valar, ok?
Ça marche, Elora. Toujours un plaisir de te voir. Billy dans le mur? Oh oh. Combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas taquiner cet élan? C'était l'idée de Billy. Ouais, ouais. C'est vrai, ça, Billy? Un moment, Billy. Spiro, ravi de te voir. Salut, Sheila. T'aurais pas vu Chasseur? Je ne le trouve nulle part. Oh, désolé, Spiro. Chasseur m'a fait promettre de ne pas dire leur secret. Leur? Chut, je ne t'ai rien dit. Oh non. Oh non, 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 non. Oh si, 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 Spiro. Faut bien qu'il profite un peu. Un noble guerrier de moins. C'est triste à voir, Sparks. Un autre valeureux guerrier est victime de la maladie d'amour. Je peux pas voir ça. Enfin, je suppose qu'on devra trouver le reste des œufs sans lui. Allons, Spiro. Repose-toi un peu. Admire le spectacle. Ah, Spiro, si tu savais que dans plusieurs années, tu allais rencontrer une dragonne. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, c'est la fin. Les crédits, enfin. Avec la célèbre musique qui est là depuis Spiro numéro 1. Ça me rend nostalgique rien que de l'entendre à nouveau. C'est une aventure qui n'est pas terminée. Oh non, non. Comme Spiro nous l'a dit, il faut qu'on retrouve le reste des œufs. Et aussi le reste des joyaux. Sparks a encore une aventure à lui à faire. Et puis voilà. Il y en a encore 3 ou 4 œufs à obtenir, je crois. On verra bien. Mais ça, ce sera évidemment après les crédits. Je vais les laisser tourner. Et du coup, la prochaine fois, puisque ça va être la fin de cet épisode, je pense, on va retourner dans les mondes oubliés. Et faire ce qu'il nous reste à faire. Les derniers œufs, les derniers joyaux, les derniers mondes. Le dernier point d'aptitude. Et puis, ce sera la fin de cette aventure. On l'aura complété à 100% après ça. Alors du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut.